Salut à tous et bienvenue encore une fois dans un nouveau Doug News concernant la licence Uncharted. Et pas Uncharted 4 cette fois, mais un prochain opus. On ne sait pas encore s'il peut s'agir d'Uncharted 5 ou pas. Mais en tout cas, on a pu avoir un petit teasing assez intéressant sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Hier, la jeune femme Christina Marie Drake McBrady, comme elle se fait appeler sur LinkedIn, a annoncé sur un post LinkedIn qu'elle rejoignait le studio californien, donc Naughty Dog, dans la partie recrutement. Elle a donc posté un message assez long pour faire part de son enthousiasme et de son amour pour le studio, mais aussi pour la licence Uncharted. Et lorsqu'on lit son message, on peut voir qu'à 2-3 endroits, il y a quand même des petites choses qui nous font un peu tilter. La femme annonce que Naughty Dog est également en train de recruter des personnes pour de nouveaux projets et elle indique qu'elle a vraiment hâte de constituer de futures équipes non seulement pour de nouveaux titres mais aussi pour l'héritage d'Uncharted. Alors clairement, elle n'y va pas par quatre chemins et elle indique clairement que la saga Uncharted n'est pas terminée et qu'il y aura bel et bien une suite et donc un héritage. Mais lorsque l'on va un peu plus loin, on peut voir qu'elle est très hypée parce que Uncharted est très personnel pour elle. Et plus spécialement, elle indique que c'est spécifique à elle et à sa famille. Être lié à Sir Francis Drake, la franchise Uncharted est très personnelle et je suis très honoré de travailler avec ceux qui ont donné vie à certains aspects de notre histoire familiale. Donc elle confirme là encore qu'elle va travailler avec des personnes qui ont donc travaillé sur la licence Uncharted. Et comme on sait maintenant que Naughty Dog a plusieurs équipes, plusieurs projets en développement, on imagine que ceux qui ont travaillé à la base sur Uncharted risquent de travailler également sur d'autres projets qui pourraient s'en rapprocher. Donc ce qui reste assez étonnant, c'est que justement dans son message, ça reste assez explicite. Et donc c'est un peu bizarre que Naughty Dog laisse passer cela. Mais là en tout cas, la jeune femme semble vraiment ne pas y aller par quatre chemins. Et indiquer qu'un nouvel opus d'Uncharted est en préparation. Alors cela ne veut pas dire que c'est Uncharted 5 avec l'histoire de Nathan Drake. Cela peut être soit un remake, soit un reboot, ou alors un spin-off, un peu comme avec The Lost Legacy qui mettait en avant Chloé Fraser et Nadine Ross. Pour cela, il va falloir être un petit peu patient et on va déjà attendre l'annonce officielle du mode multijoueur de The Last of Us Partie 2 qui arrivera en stand-alone. Cela ne devrait pas tarder puisque pas mal de rumeurs annoncent une sortie pour la fin d'année 2022 ou le début d'année 2023. Il y a également le remake de The Last of Us qui pourrait lui aussi arriver dès la fin d'année. Donc quoi qu'il arrive, Naughty Dog est silencieux depuis un an et demi, deux ans. Mais lorsque cela va commencer à s'activer, cela risque d'être très intéressant. Voilà pour cette nouvelle vidéo, on n'oublie pas le petit like, le partage, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous!